On le voit partout sur les routes. Aujourd'hui, je vous présente Pathfinder Platinum. On vient rejoindre la 4 roues motrices avec des jantes en alliage de 20 pouces qui vient donner un super beau look au véhicule. Donc maintenant, je vous montre ce qu'il y a sur le capot. On va pouvoir retrouver un V6 3,5 litres, ce qui va nous apporter environ une consommation de 10,6 litres au 100 environ. On va avoir une capacité de charge de 6000 livres, donc parfait pour les roulottes. Maintenant que je vous ai montré l'avant, je vous montre l'arrière. C'est un véhicule qu'on peut avoir 7 passagers, donc on va avoir une troisième rangée à l'arrière. Présentement, la rangée est levée, donc on va avoir 16,6 pieds cubes d'accès. Si jamais les enfants sont pas présents, les ports USB à l'arrière, on en a deux, ils sont même pas pris parce que personne n'est à l'arrière, on baisse les bancs. On va avoir 80,5 pieds cubes de disponibles à l'arrière du coffre. Le véhicule est muni de deux sièges capitaine à l'arrière, ce qui nous offre environ une spaciosité et une élégance dans le véhicule. En plus d'avoir deux jeunes enfants, les pare-soleils sont pratiques, ça coupe le soleil, les enfants peuvent dormir bien paisiblement. Muni de deux ports USB avec une climatisation indépendante tout à l'arrière. En plus d'avoir un véhicule super spacieux et super confortable, mon siège est automatiquement ajusté à ma position. En plus d'avoir 7 modes de conduite, on va avoir le cruise control adaptatif et même l'affichage tête haute, ce qui va nous permettre d'éviter de regarder tout le temps les cadrans et regarder seulement l'avant. En plus d'avoir un écran de 12,3 pouces, on va retrouver 13 haut-parleurs Bose partout dans le véhicule. Grosse canicule en plein été ou grosse tempête de neige en plein hiver, on va avoir la climatisation Trizon, ce qui va nous apporter deux choix de climatisation de chaque côté, en plus d'avoir les bas climatisants de chaque côté, les bas chauffants avec le volant chauffant. Pour compléter le véhicule, on va retrouver un toit panoramique qui va nous apporter une super belle luminosité.